Ce dimanche 26 mars 2023, les femmes de l'Union progressiste le renouveau de la 18e circonscription électorale ont célébré en différé la Journée internationale de la femme. Réunies à la Maison des jeunes de Bokpa, ces militantes de l'UPR ont partagé leur joie avec les élus du parti. Cette journée est non seulement un moment de fête, mais aussi un moment de réflexion sur le rôle de la femme dans la société. Cette fête revêt une importance capitale. Et c'est pourquoi notre parti, l'UP Le Renouveau, a jugé bon d'organiser cette fête à l'intention des femmes. Non pas pour qu'elles fêtent, non pas pour qu'elles s'extasent, mais surtout pour qu'elles réfléchissent à leur devenir. Pour l'honorable Maouyon Kakpo, élu de la 18e circonscription électorale, c'est une belle initiative. Il revient aussi sur le bien fondé de cette célébration. Comme le 8 mars est une journée dédiée à l'expression des droits de la femme, le parti a jugé nécessaire d'orienter la réflexion sur les militantes progressistes et le 8 mars. Et cette journée-là, les militantes réfléchissent sur leurs conditions, non seulement sur leurs conditions de femmes, mais sur leurs conditions de femmes par rapport à leurs droits, mais également par rapport à leur participation au niveau du parti. Certains sentiments de satisfaction qui animent les participants à cette communion. D'ailleurs, certains trouvent qu'il est nécessaire de sensibiliser les femmes sur les réalités du numérique. Je suis très heureuse d'avoir participé à la célébration de ce jour parce que ça donne l'occasion aux femmes de se retrouver, de faire un peu le point sur leur parcours, aussi bien dans leur ménage qu'au niveau de la politique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère du numérique où tout doit être digitalisé, puisque aujourd'hui, l'acte de naissance, le certificat d'identification personnelle, tout ça là se fait en ligne. Et aujourd'hui, on doit mettre au parfum la femme, même à la maternité, à la naissance des bébés. Tout est informatisé. Donc il faut qu'on sensibilise les femmes à propos pour qu'elles puissent être en mesure de maîtriser quand même l'outil informatique. La cérémonie riche en couleurs a pris fin dans une ambiance conviviale.